Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo dédiée sur une fonction Excel que j'ai déjà, je pense, expliqué plusieurs fois dans des précédentes vidéos. Je l'ai déjà un petit peu décortiqué, cette formule indirecte qu'on va aller voir. Et ça va vous permettre justement, cette formule indirecte, de pouvoir créer des listes déroulantes totalement dynamiques sans passer par plusieurs étapes. Vous allez voir, on va pouvoir générer assez facilement des listes déroulantes qui vont vous permettre de pouvoir créer et insérer ça dans un tableau, notamment parce qu'on en a souvent besoin, hein, si on veut éviter que les gens saisissent n'importe quoi dans une source, on va plutôt créer des listes déroulantes. Donc pour ça, on va essayer ici de faire un exemple, vous allez voir, de cette fonction et comment elle marche surtout. Donc on va aller voir ici comment on fait. Exemple. Donc ici, je vous ai mis la syntaxe de cette fonction, hein, indirecte, fonction matricielle d'ailleurs. Donc elle a besoin, elle est assez simple vraiment, elle est assez simple d'utiliser. Hein. Ici, vous avez elle a besoin que d'un seul argument obligatoire, c'est la référence d'une cellule. Donc elle vous dit, hein, ça donne la référence spécifiée par une chaîne de caractères, hein, exemple, c'est une référence à une cellule qui contient les coordonnées, hein, d'une plage ou d'une cellule, ici A1 notamment. Exemple, si je fais ici égal indirect, donc je vais chercher ici, voilà. Je vais lui demander d'aller chercher la référence de cette cellule, par exemple ici, hein, C3. Voilà, je vais fermer la parenthèse et là il va vous mettre ici rien du tout. Voilà, donc il va vous mettre un truc. Parce qu'attention, ici il attend, il vous le dit d'ailleurs, il attend une référence de type texte. Donc ici, hein, ici il va falloir lui mettre un guillemet. Voilà, tout simplement, on va lui mettre un guillemet pour lui dire que c'est du texte. Et là, automatiquement, il va chercher le nom. Donc, attention, il faut mettre vraiment la syntaxe. Hein. Il faut que ce soit vraiment un texte. Alors, après, je peux aller tirer vers le bas. Vous allez voir, c'est une référentielle. Dès que je clique, lui, il va chercher automatiquement les données de cette élu. Voilà, si ici, je tape, par exemple, je sais pas, tiens, je vais chercher ici Adèle qui se trouve en D16. Hein. Ici, vous aurez pu taper égal, indirect. Voilà. Entre guillemets, on a dit qu'on allait mettre D16. Voilà. Je ferme la parenthèse et automatiquement, il va récupérer le contenu de la cellule qui se trouve en D16, mais au format texte. Donc en D16, on a bien ici Adèle qui vient ici en D16. Donc ça vaut le faire. Donc vous allez voir ici, ça va être assez simple. Alors, pour créer une liste déroulante, il y a plusieurs façons de le faire. Donc la liste déroulante, déjà, je pense que je l'ai déjà montré, mais c'est ici, hein, dans l'onglet données, validation de données, on va lui autoriser ici une liste. Voilà. Et ici, il attend la source sur laquelle on veut créer. Alors, si on veut créer une liste déroulante, donc à une époque ici, par exemple, si je veux créer une liste déroulante ici, où il va afficher les valeurs uniques de cette valeur pour que la personne n'ait pas à taper le texte, mais qu'elle ait à le sélectionner dans une colonne. Donc il fallait d'abord qu'on crée les données qu'il y a dans une colonne, les différents types de données qu'il y a. Ici, il n'y en a que 3, hein, par exemple. Voilà, ici, on aurait dû taper, souvent, moi, j'appelais ça liste, par exemple. Okay. Et ici, on a dit qu'ici, il y a famille, voilà, il y a célibataire. Et ensuite, il y a couple. Okay, voilà. Ce sont les 3 champs qu'il y a ici dans cette colonne. Et ici, on aurait dû aller dans validation de données. On aurait dû lui dire d'aller récupérer une liste. Cette liste, on allait sélectionner les 3 cellules qui se trouvent là. Et on fait OK. Et là, on a bien ici une liste déroulante qui va s'afficher dans cette cellule. Ici, demain, ici, j'ai un autre type de catégorie ici que je vais mettre. Donc, vous allez voir que dans cette liste déroulante, il ne va pas la prendre automatiquement, puisque derrière, eh bien, on lui a mis ici une plage qui est fixe. Hein. Si je vais dans mon nouveau check ici, voilà, ici, on aurait dû à chaque fois lui dire, tu rajoutes à chaque fois une ligne de plus, voilà, pour pouvoir ensuite le rajouter dans la source. Donc après, assez long, compliqué à faire. Donc il y avait une solution plus simple, c'est d'utiliser une plage nommée sous format tableau. Donc et là, automatiquement, dès que je rajoute une donnée, hein, je rappelle, dans un outil tableau, ça va automatiquement prendre en compte la plage.
Okay. Alors, donc beaucoup plus simple que ça. Donc ici, je vais juste la supprimer. On va effacer tout. Voilà. On va utiliser la fonction indirecte, puisqu'on a vu ici qu'on peut aller chercher le contenu d'une cellule. Et vous allez voir, ça va être assez simple. Sachant qu'ici, hein, j'ai mis cette source en outil tableau, on le voit. Donc le tableau, il s'appelle T-Client. C'est le nom du tableau ici. D'ailleurs, ici, il va vous le dire. Hein, quand je vais cliquer ici, T-Client, boum, je vais chercher ici le nom du client. Okay. Ensuite, et on va chercher par exemple ici, créer une liste déroulante sur cette colonne qui s'appelle type de ménage. D'accord? Donc ici, hein, je rappelle le principe d'un outil tableau. Quand je vais chercher ici, égal T client et que je veux aller chercher la colonne type ménage, j'ouvre les crochets et là il vous propose toutes les colonnes qui se trouvent dans cette source. Et moi je vais chercher ici un type de ménage. Okay, vous voyez, ça se met entre trucs. Et dès que je vais cliquer ici et que je vais valider, alors attention parce qu'évidemment il me faut fermer d'abord là le crochet et ensuite la parenthèse, même pas la parenthèse, il n'y en a pas aussi. Voilà, et je fais OK. Et là il va chercher toutes les données de cette colonne. D'accord? Nous, ce qu'il nous faut, c'est ça, quasiment, mais dans une formule index indirecte pour pouvoir la mettre ici, ici. Donc pour ça, eh bien, on va le faire. Donc ici, on va sélectionner, on va créer la liste déroulante dans toutes les cellules de cette colonne. D'accord? Et on va lui demander de le faire. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet données, on va aller lui chercher la validation de données, et ici, on va chercher une liste. Et ici, on va lui demander d'aller chercher la fonction égale indirect. Indirect de quoi? Donc je vous rappelle entre guillemets, hein, toujours. Donc eh bien, on va chercher mon tableau qui s'appelle T-Client. D'accord? Moi, je ne sais plus si j'avais mis un S ou pas, mais peu importe. Hop, on va lui mettre un crochet et la colonne s'appelle type ménage. On ferme les crochets, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse de la formule indirecte. Et je fais OK. D'accord. Donc ici, on va vérifier mes tes clients, j'avais mis un S. Et là, vous allez voir, il va y avoir la liste qui est déjà toute faite automatiquement dans. Voilà, donc il va prendre que les valeurs uniques. Hein. Il va pas prendre toutes les valeurs. Il va voir, lui, toutes les valeurs qu'il voit dans cette. Donc ça veut dire que ça vous fait aussi automatiquement la liste unique d'une. Et l'avantage de ça, c'est qu'elle est totalement intuitive et dynamique. Si par exemple ici je change lui et que je vais mettre marié, d'accord, automatiquement vous allez voir que cette valeur va se rajouter systématiquement dans cette colonne. Donc ça va le faire tout seul. Et que si je suis à la fin de mon tableau et que je veux rajouter une nouvelle ligne, eh bien, vous allez voir, hein, ça va automatiquement se rajouter. Et là je peux sélectionner n'importe quel champ. Voilà, la liste est totalement dynamique. Okay. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique. Voilà, et ça on peut le faire pour n'importe quelle autre colonne. Par exemple, ici je vais le faire ici sur cette colonne source. Donc je sélectionne toutes les données de cette colonne et je vais lui demander dans l'onglet données, validation de données. Voilà, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. On va lui autoriser une liste. Cette liste, elle va être égale à la fonction indirect. Indirect de quoi? Demande entre guillemets, je vous rappelle, puisque c'est du texte qu'il vous faut à l'intérieur de la fonction directe, hein, il attend une référence de type texte. On va chercher ma table qui s'appelle T-Client. D'accord? On ouvre les crochets et on va lui dire d'aller chercher ça dans cette table, dans la colonne qui s'appelle source. Voilà. On ferme les crochets, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse de ma formule indirecte. Je vais faire OK. Et là, vous allez voir, il y a déjà la liste déroulante qui s'est automatiquement générée. Voilà, c'est encore vraiment beaucoup plus simple à utiliser. Ça le fait tout seul. D'accord? Voilà. On le fait tout seul. Beaucoup plus simple à utiliser. Donc, plus besoin de se créer, quand on fait souvent une liste ici, où on met mes listes, où je vais créer toutes mes listes de valeurs uniques pour chacun de mes colonnes. Au final, il n'y en a plus besoin parce qu'on peut tout faire directement dans le tableau grâce à cette formule indirecte. Voilà, donc ça c'est un premier exemple qu'on fait très souvent voilà, et ça va vous simplifier la petite formule. Deuxième exemple qu'on peut faire, la fonction indirecte, on peut aussi s'en servir pour faire des recherches. Et ça c'est assez pratique. Voilà, donc je l'avais fait déjà, je l'avais montré, mais ici par exemple on pourrait lui demander, tiens, je veux chercher le client qui a pour matricule 5 par exemple. Et je voudrais ici lui dire d'aller rechercher
le nom correspondant au matricule numéro 5. Donc ici, ce serait Boréal qui doit aller chercher. Donc ici, vous allez voir, on va faire égal, indirect. Indirect de quoi? Eh bien, de la cellule. Ici, on va commencer ici, par exemple. Hop. Alors ici, on va lui chercher la cellule C, hein, ce sera plus simple que d'aller chercher le nom du client. Voilà, donc toujours pareil, ça doit se mettre entre guillemets. Donc ici, il doit aller chercher ça dans la colonne, le nom qui se trouve dans la colonne C, d'accord, ici. Hein. Donc on va lui dire, va chercher la colonne C. Sur quelle ligne? Donc là, on va couper les coordonnées de la cellule, parce que derrière, on va lui dire, demander d'aller chercher ici les coordonnées de la ligne, voilà, ici, enfin du numéro 5. Alors attention, 5 par rapport, donc il y a un décalage, parce que lui il va prendre le numéro de la ligne, donc les numéros commencent, ils sont incrémentés, ils commencent à ligne 3, donc il faut rajouter deux lignes de plus pour pouvoir faire le décalage entre l'entête et ma ligne vide qui se trouve dessus. Donc du coup ici, alors là on va lui bloquer la colonne M, on va lui bloquer aussi en faisant F4, parce que quand je vais tirer la poignée vers la droite, FN F4, voilà. Et on va lui faire le décalage de deux lignes de plus par rapport à ça. Voilà. Et là, je vais fermer la parenthèse. Et je valide. Donc là, il va bien chercher la bonne. Donc le matricule 5 a pour nom. Voilà. Si je vais chercher maintenant la source, ben là, c'est simple. Vous allez voir, on va pouvoir tirer la poignée. Et là, il faut juste changer la colonne en lui disant, ben là, tu vas chercher la source. Elle se trouve en colonne F. Donc il n'y a plus qu'à changer le C par F. Il va chercher... le nom, voilà. Et on va chercher le montant, 3200, donc il se trouve en colonne H, donc on va tirer la poignée, hop, et ici, on va chercher ça en colonne H. Il est juste que de changer le nom de la colonne, et là, il va chercher le montant, donc qui est de 3200. D'accord, on va formater ça, 1 euro, par exemple, et 1 euro, 5 décimales. Voilà. Et là, maintenant, si je veux chercher... par exemple, le matricule 15, le matricule 20, et puis le matricule, je sais pas moi, 30 par exemple, eh bien, vous allez voir, hein, il suffit de prendre cette formule, de tirer, il va chercher, alors le matricule 15, c'est bien, voilà, voilà gorge, Sambourg, c'est bien le matricule 20, et le matricule 30, c'est bien. Voilà. Donc et bien là maintenant je peux prendre hop, tirer la poignée, je peux prendre tirer la poignée, voilà. Donc là évidemment il n'y a rien à mettre. Et là on a bien les bons montants correspondants. Si je prends le matricule 20, c'est bien elle, voilà, elle a bien fait 150, et ainsi de suite. Donc l'avantage de ça c'est que demain je veux chercher le 8, matricule, le client qui a pour matricule 8, et bien, il va le chercher tout seul. Et automatiquement, comme c'est une formule matricielle. Voilà, les formules vont descendre toutes seules alors que c'est même pas un outil tableau, mais ça le fait tout seul. Voilà. Si je vais chercher le premier client, voilà, c'est lui. D'accord. Voilà, donc c'est assez pratique. Donc ça peut aussi faire recherche. Donc c'est l'équivalent d'une recherche V, tout ça, mais en beaucoup plus simple, puisqu'on a juste une simple formule avec quasiment une syntaxe à faire. Et c'est quand même assez simple à faire. Allez, voilà, je m'en arrêtais là. Donc ici, je vous ai montré vraiment comment faire des lignes roulantes. L'objectif, c'était plutôt de faire des lignes roulantes. Je vous inviterai à consulter mes vidéos que j'ai fait déjà sur cette fonction, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cette fonction combinée avec d'autres fonctions. Cette dernière permet vraiment de faire des choses très puissantes, notamment. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.